C'est le DLC. Cool. Ça m'a coûté que 10 balles, les gars. 10 balles et il y avait le jeu plus ça. Je laisse la musique ou je laisse la musique du jeu ou je laisse la musique la musique One Piece à côté. Yo Froze, la forme. Attends, je crois que je vais couper la musique. En vrai. Et sur X, le moment important pour effectuer des attaques normales. Y pour attaque chargée. Combiner X, Y. Ouais, X, X, Y. On va tester tout ça direct. On cache. Combien de personnes déjà pour le Among Us? Je sais pas. Il y en a quelques-uns qui ont dit qu'ils étaient chauds pour participer. On verra au moment venu. On va se faire au moins une heure minimum de pirate pour ailleurs et après on verra. On fera un petit sondage pour voir s'ils sont... Les gens qui sont dispo. C'est comment le son du jeu là? Ça a l'air d'être un peu fort, non? Tu te rappelles de Yulo qui était dans ton alliance? Ouais, pourquoi? Orida! Oh, c'est beau! C'est beau, c'est beau! C'est Onigashima ça? Non, c'est bien! Alors, je vais baisser le son un peu là parce que du coup c'est ultra fort, j'ai l'impression de moi de mon côté. Ça fait déjà 6. Ouais, c'est pas mal. Ouais, bah ouais, normalement, on devrait pas avoir de mal à trouver un dernier. Mettez une raclée aux pirates des 100 bêtes. Bon, du coup, c'est carré triangle pour l'instant. Spam, spam, spam de carré. Yeah. Ok, Katalingen. Y'a pas... Force alliée, un peu. Kid, je peux pas jouer Kid, mission. Ah, Kid, il est avec moi, ok, d'accord. Reddo Hook. Après, j'imagine, il faudrait... Oh, on peut courir avec. Ah, stylé. Putain, ça, c'est du déplacement. Avancer vers la zone ciblée. Ah ouais, il faut que j'avance là-bas, quoi. Ok, vous. Donc, du coup, on les ignore, limite, non? Appuyez sur hein, pour sauter hein, lors des combos pour effectuer. Putain, il y a là devant. Ok. Ah ouais, stylé ça. Eh, mais il y a du monde, wesh. C'est quoi cette histoire là? Même au Onigashima, il y a pas vraiment de monde, ils abusent. Oh oui, oh oui, oh oui, d'accord. Oh ouais, stylé. Stylé. Mais par contre, c'est des sauts de zinzin qui fait. Certains bâtiments et éléments peuvent être détruits par des attaques, provoquer des destructions, infliger des dégâts supplémentaires aux ennemis proches et aux... Voilà. Certaines de vos attaques projettent des ennemis abattus et étourdis dans les airs. Les bâtiments et les objets peuvent être également détruits. Donc j'imagine qu'on peut détruire la barrière. Détruisez la barrière et créer un passage. Voilà, ah, c'est quoi cette petite barrière? Elle a pris deux coups et elle est déjà morte. Charge puissante... Ah, c'est ça. En oh, maintenant. Oh, let's go. Ah, ouais. Ah, ouais. Hey, ça, c'est du dash. Roquetto. Roquetto. Ah, il y a de la sensation. Il y a de la sensation. Les ennemis puissants possèdent une jauge d'armure. On peut verrouiller les ennemis puissants. Verrouiller, hein. Viens là, viens là, viens là. Venez là, les samouraïs. Mais je crois que je suis saoulé. Je sais pas si c'est. De... Ouais, si, c'est un peu des ce genre de samouraïs de chez Kaido, quoi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les samouraïs traîtres aussi là-bas. Oza! Hit! Hot! Hit de panne! Bah alors, les samouraïs. C'est quoi ces samouraïs en carton? Les OST sont assez cool. Y'a quoi dans les caisses? Toujours des trucs dans les caisses normalement. Quoi, je peux pas détruire des caisses? J'abuse. Moi, je veux tout casser. Roquetto! Ah, ça c'est cool. Ça, je kiffe bien. On est des petites animations comme ça là. Direct Big Mom. Oui, c'est vrai, on est sur Wano. On met direct dans l'ambiance. Hein. Roquetto! Quand tu vas jouer Kata, tu vas kiffer. Attends, je vais voir, je vais tester. Je crois là, le premier que j'ai testé, c'est Oden. Celui qui me fait le plus envie. Hein. Matune, RB. Et appuyer. Hein. Oh, attends, mais il y a là les trucs en fait.
Un jour, je dois être rempli. RB plus IRE. RB, c'est lequel? C'est celui-là? Non? Bah, celui-là, c'est lequel R? Merde. RB, c'est R2? Merde, pourquoi il m'a fait ça? Ah non? Bah. Ah si, c'est bien ça. Ah non, c'est R1 en fait. Ah ouais, ah stylé! Stylé! Ils sont vraiment belles les animations. Vas-y, c'est quoi ça? Ok. UFO! Ah, ça c'est trop marrant ça! Je kiffe, ouais, let's go! Ça c'est quand Oda il s'amusait. Il s'amusait, il nous faisait des petites techniques troll. Ça c'était les prémices, les gars. C'était les prémices à Agnès Lobby, on avait déjà les prémices du Gear 5. C'est satisfaisant, hein. C'est satisfaisant en vrai. Peut-être pas du PVP vraiment, mais il y a un côté, il y a un côté stylé. Ça me fait penser un petit peu à Ultimate Prize. Est-ce qu'il y a un petit peu, ouais bah si, en un sens c'est un petit peu côté aventure découverte open world. Est-ce qu'il y a des plus grands open world que là, genre une route? Bon, attends, déjà j'imagine faut que je me casse là. On va détruire ça. Ah, faut que je pète le samouraï d'abord. Viens là, viens là, viens là, viens là, viens là, viens là. Comment vous voulez? Louche! Je devrais pouvoir passer là. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait. Viens là, maman. Salut, Baggy. Tu as jamais joué? Non, jamais. J'ai juste eu vite fait quelques petits gameplays là sur YouTube, vraiment de spi, mais bon. À première vue, ça donnait sans plus envie. Pas si c'était, enfin, ça avait pas l'air aussi satisfaisant à jouer. Damien réduit lorsqu'il commence à attaquer, utiliser une charge puissante pour esquiver et attaquer depuis leur angle mort. Lorsque Josh dernier arrive, un open bouclier disparaît. Un truc bien, hein. Bon, on va le défoncer, Big Mom. Voilà, défoncer Big Mom. Aïe, 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 j'ai rien dit, laisse-moi tranquille. Renata, Renata, Jonas Veruna. Youfo! Non mais c'est trop stylé! Wesh, c'est trop stylé! Oh! Ça aussi! Qu'est-ce que j'ai fait? Mettre une racle à Big Mom, t'inquiète, je vais m'en occuper. T'inquiète, t'inquiète, je vais l'exploser, maman. Dieu t'a pétale! Oh oui! Putain, mais c'est trop marrant comment il saute! Eh, vas-y, il va te calmer, maman! Raketa! Allez, vas-y, vas-y! Maman, maman! Ah non, c'est. C'est l'attaque qui fait contre Maria, ça, non? Ah non, merde, merde. Oh. Aïe, 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 comment je... Ah, ah, je peux pas esquiver. Ah oui, c'est vrai, je peux faire ça. Roquetto! Je kiffe trop le dynamisme. Oula, oula, oula. Roquetto! Roquetto! Allez, 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 vite, vite, vite. Oui, 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 pas mal. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais elle résiste, hein. Ah oui, mais c'est vrai, si je fais que tu sais, je suis pas très malin. Allez, il faut, il faut, il faut. Yo, yo. Red the Hawk. Allez, vas-y, vas-y. Fusen, on l'éteint, là, normalement. Non, même pas. Elle résiste, hein. J'ai 4 versus les cheaters. Oh, le kid. Il est le kid. Par contre, ça manque de voix originale. Ah, ouais. Ah, voilà. Voix de Kaido. Attention. On a notre petit duo de kid. Je vais te calmer direct, Kaido, moi. Déstabilisé par un seul coup. Bah ouais, Big Mom, mais c'est chier dessus. Ouva! Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire, Kaido? Oh, c'est moi qui fais ça? Hein? Hein? Ah ouais? Wesh! Je me suis transformé en Snake Man! Comment j'ai fait? C'est trop stylé ça! Yot! Yot! Ah, j'ai plus qu'une seule attaque SP par contre! Wesh! Trop rapide! Ouah, let's go! Prydon! Prydon! Roquetto!
transport, cette mobilité, ce dynamisme. Viens là, viens là, Kaido. C'est quoi l'attaque spé? C'est ça? Ouh, sympa. Et ça évolue, on aura d'autres, j'espère. Parce que une, c'est léger quand même. Pour les autres là. Bah alors, Kaido. Ça y est, tu vas calmer, Kaido. S'amuse comme un petit fou, les gars. Ouais. Ah, ça me change de OPBR, c'est vraiment un autre style. Ouf, par contre, c'est moi, ça bug là. Oh oh oh. Est-ce que c'est bien les voix originales? Parce que là, il manque d'intention, Kaido. Il devrait être plus vénère, là. On dirait qu'il parle normal, alors que quand il dit ça dans l'anime, il est ultra vénère. J'avoue. Pourquoi Kid? Il aurait dû ramener l'eau, là. Ah, il nous a envoyé. Ah! Il nous a envoyé Valti. Ouf. Les frissons. Ça arrive pour aucun. On est stylé. Sonate! Oh, ils ont pas mis les paroles, ils auraient dû les mettre. Ça abuse. C'est quoi le jeu? C'est Pirate Warrior 4. Sur PC. Ah, Shanks. Baka! Mais c'est quoi tous ces pirates random là? Il est où l'équipage de chance? Déterre pour le live 24h non-stop. Ouais, ouais, on est bien parti là, 13h. Ouais, il a des petits changements de visage, hein, le chant, il est pas parfait. Et ils sont où, Yasop, Lukiru, Beckman? Hein? C'est bien d'avoir des petites scènes comme ça. Même pour ceux qui veulent découvrir One Piece, en vrai, c'est sympa. Vous pouvez déjà jouer au mode trésor. Il y a plusieurs modes de jeu. Ça va aller direct sur Alabasta. Ah ouais, on peut choisir où on veut. Ah ouais, Alabasta direct cash. Pas trop le choix, a priori. Pays des déserts. On peut rien choisir là pour l'instant, je peux pas choisir mes personnages. Ce qui me dérange un peu dans le jeu, c'est que tu entres dans une zone, taper, tu entres dans une zone, taper, c'est tout. Ouais. C'est sûr, après au bout d'un moment, ça va être un petit peu redondant. Il n'y a pas du tout de côté aventure, un peu comme dans Ultimate Crise. Après, c'est quand même fun. Juste le taper. Un jeu de bois, mais. Ah, dommage. Top. L'animation est bien, ouais, clairement. T'es bien dans l'ambiance. Ça fait toujours plaisir des jeux comme ça. Des jeux One Piece dans ce délire. C'est basique, mais. Oh, le baggy débat. Wesh.
Ils nous font une petite mise dans l'ambiance, quoi. Rockton. Putain, mais ils nous font vraiment tout le résumé, wesh. Par contre, là, c'était trop cher l'animation. Wesh, non, les gars, un petit effort. Mettez-les au moins correctement sur le tonneau, leur yep. Oh. Meilleur Pirate Warrior, c'est le 1. Ah ouais? Mais après, il n'y a plus de contenu dessus. Plus de contenu récent. Là, sur le 4, il y a le contenu récent. C'est le côté pratique. C'est long, leur animation. Ils vont nous faire... Ils vont nous faire les 1000 épisodes de One Piece, là, comme ça. Ils les enchaînent. Attendez, ils vont s'arrêter à la basta, comme on commence à la basta. Ah, elle a du flow, cette vieille coureur. Je peux skip. Mais qu'on skip. Bon, j'aime bien. J'ai hâte de voir à quoi Chopper il va ressembler en live action. J'espère que ça va pas être trop ridicule. Moi, l'histoire, comme tu le fais, tu pourras jouer quel perso présent dans l'épisode. Ah ouais, tu pourras jouer. Seulement en mode libre ou en mode trésor. Ah. 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 Ok. Bon. Bon, on va partir à zéro. Hein.